Bonjour, mon nom est Benoît Riopel et je suis moniteur instructeur à l'école de conduite 2000, ainsi que paramédic dans la vie. Mon travail de paramédic m'amène à conduire un véhicule d'urgence. Le sujet que je vais vous entretenir aujourd'hui est la conduite préventive. Pour la conduite d'un véhicule d'urgence, la conduite préventive est la clé du succès. Le véhicule d'urgence, par le code de la sécurité routière, en situation d'urgence, a le droit de faire quelques entorses à celui-ci. Donc, de pouvoir prévenir et d'anticiper ce qui va arriver sur la route est super important pour éviter les accidents. Si on se ramène à la conduite d'un véhicule de promenade, la conduite préventive est d'autant plus importante pour éviter les accidents. Mais qu'est-ce que la conduite préventive? La conduite préventive consiste en quelques points. C'est-à-dire, on doit s'assurer d'avoir une vision de tout ce qui se passe alentour d'eux. Donc, notre regard en avant doit se porter haut et loin. On doit balayer régulièrement de chaque côté de la route pour être capable de voir tout ce qui se passe et regarder régulièrement dans nos miroirs, soit aux 30 secondes, pour pouvoir savoir autant ce qui se passe à l'arrière que ce qui se passe à l'avant. La conduite préventive ne consiste pas seulement qu'à regarder tout l'environnement alentour du véhicule, mais d'être capable aussi d'anticiper. Qu'est-ce que l'anticipation? À l'approche d'un arrêt, c'est de lâcher l'accélérateur pour ralentir graduellement à l'approche du stop. C'est aussi à l'approche d'une lumière qui est allumée au vert depuis longtemps, de ralentir si elle tombe rouge pour pouvoir arrêter à temps. À l'approche d'une zone scolaire ou d'une zone de parc, c'est de ralentir pour pouvoir voir les enfants s'il y a des situations qui nous amènent à réagir rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et profitez de la route.